Rabital. La truelle de Dieu. La truelle de Dieu. Mido no se bolisa. Mindita no se bolisa. Sachez. Mido no se bolisa. Chers amis, que les bénédictions soient. Nous sommes au début de la rentrée scolaire. Chers parents, il est très important que vous n'oubliez pas les enfants sur le plan spirituel. C'est vrai, vous prenez toutes les dispositions pour que l'enfant puisse commencer l'école. Vous achetez les fournitures, vous achetez tout ce qu'il faut. Vous payez l'avance qu'il faut pour la contribution. Vous prenez déjà les dispositions pour leur trouver des répétiteurs. Vous achetez tous les livres qu'il faut. Mais malgré ça, l'enfant échoue à l'examen. Malgré ça, l'enfant ne réussit pas. L'enfant ne va pas dans une classe supérieure. Quelles sont les dispositions spirituelles que vous prenez? Il faut se poser cette question. Parce que le tout ne suffit pas. Oui, j'ai pris les mains d'études, j'ai fait ci, j'ai dépensé ci, ce n'est pas tout. Spirituellement, il faut prendre des dispositions pour que les mauvais esprits ne viennent pas perturber votre enfant. C'est très très important. Il n'a pas d'enfant taré. Alors, chers parents, je vous demande de chercher à avoir ce miel qu'on appelle le miel mercure. Le miel mercure permettra à l'enfant d'avoir la mémoire fraîche. Le miel mercure permettra à l'enfant d'être intelligent. Parce qu'un enfant qui n'a pas la mémoire fraîche, un enfant qui n'arrive pas à garder ses leçons, qui n'arrive pas à garder les exercices qu'il a fait, ne peut pas réussir à un examen. Il n'a pas de miracle. Parce que c'est ce qu'il a appris en octobre, en novembre, en décembre, qu'on vient lui demander en juillet ou bien en juin. Il faut quand même qu'il ait la bonne mémoire pour pouvoir restaurer tout ce qu'il a appris. Et s'il doit respirer tout ce qu'il a appris, on a besoin de lui donner le miel mercure pour l'aider à avoir la mémoire fraîche. Déjà, le miel à l'état pur, déjà est une aide-mémoire. Maintenant, en plus de ça, dans ce miel, nous avons complété des feuilles, des plantes, des racines qui permettent d'avoir la mémoire. Nous les avons calcinées et nous avons mis dans ce miel. Et quand l'enfant commence par consommer, tous les soirs, vous lui donnez une cuillère à soupe de ce miel. Ça donne de la bonne mémoire, ça rafraîchit la mémoire de l'enfant et l'enfant est intelligent. Il n'a pas un âge pour donner à l'enfant. Il n'a pas d'âge. L'essentiel, vous voulez que votre enfant réussisse à un examen, aille dans une classe supérieure, il faut déjà lui prendre ce miel. Vous savez pourquoi? Si l'enfant échoue dans une année, c'est une perte totale. Parce que imaginez combien nous dépensons sur nos enfants au cours d'une année scolaire. Si nous pouvons faire le calcul, c'est plus de 500 000. 500 000, c'est même peu pour d'autres personnes. Et quand l'enfant échoue, c'est que c'est une perte totale. Avec 4 000 francs, vous pouvez garantir la réussite à votre enfant. Je dis bien, avec 4 000 francs, vous pouvez garantir la réussite à votre enfant et vous saurez que tout ce que vous avez investi, vous avez pu gagner grâce à la réussite de votre enfant. Cherchez à avoir ce miel. C'est disponible en Côte d'Ivoire, c'est disponible au Togo, c'est disponible au Bénin, c'est disponible en France. Vous êtes n'importe où vous commandez ce miel, on pourra vous l'envoyer. Le miel mercure, c'est à 4 000 francs au Bénin. Dans les autres pays, ça a son prix qui diffère à cause du transport. Mais ce n'est pas tout. Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour que mon enfant ne tombe pas malade au cours de l'année scolaire? Vous allez voir des enfants, quand l'année scolaire commence, deux mois après, un mois après, c'est la maladie. Et c'est jusqu'à la fin de l'année scolaire qu'il commence par se retrouver. Parce qu'on est en train d'empêcher ton enfant spirituellement pour aller à l'école, pour aller à l'université, pour aller au collège. Il faut prendre des dispositions spirituelles, chers parents. Ne négligez pas les enfants. Nous mettons à votre disposition une croix et une bague. La croix, Janta, c'est une croix que vous portez à l'enfant qui n'a pas encore 12 ans. De 5, de 6, même de 0, même un bébé. Il faut lui porter, on peut lui porter ça pour le protéger. Et l'enfant qui a déjà commencé les classes, vous lui portez ça. Jusqu'à l'âge de 12 ans, ils ont besoin de la croix Janta. Si vous ne pouvez pas porter, selon votre croyance, vous ne pouvez pas mettre une croix sur votre enfant. Vous prenez la croix, vous mettez ça dans une peau de couleur noire. Ça devient un talisman comme ceci, un talisman comme ceci. Et vous faites porter ça à l'enfant à la hanche
ou bien au cou. Un enfant qui a déjà 12 ans a besoin de la bague Janta. À partir de 12 ans jusqu'à 20 ans, prenez la bague Janta, faites porter à votre enfant. Votre enfant n'aura aucun problème au cours de l'année scolaire. Pas d'accident de circulation, pas de problème de santé, rien. Votre enfant sera en bonne santé jusqu'à finir l'année scolaire et vous aurez encore la réussite dans ses mains. Chers parents, vous devez aussi savoir que nos enfants, beaucoup vont à l'école et reviennent sorciers à la maison. Beaucoup vont à l'école et deviennent sorciers pour venir à la maison. Parce qu'un camarade sorcier peut leur donner la sorcellerie facilement. Alors, pour que votre enfant ne devienne pas sorcier, pour que votre enfant ne revienne pas à la maison avec la sorcellerie, je vous conseille la poudre que nous appelons la poudre Azegbemi. Donnez la poudre Azegbemi à votre enfant, ça le protège et jamais on ne donnera la sorcellerie à votre enfant. Ce n'est pas renouvelé. Chaque personne qui prend la poudre Azegbemi une fois dans sa vie, cette personne ne sera jamais sorcière. Donc même les grandes personnes, vous pouvez leur donner la poudre Azegbemi. Vous-même, vous pouvez acheter pour prendre cette poudre Azegbemi pour que jamais on ne vous donne pas la sorcellerie. La poudre Azegbemi est à 3500 francs dans les boutiques Océan. La croix Janta est à 4000 francs et la bague Janta est à 6000 francs dans les boutiques Océan au Bénin. Chers frères et sœurs, nous avons pensé à un spécial rituel que nous appelons le rituel de prospérité financière, le déjeuner spirituel pour la prospérité financière. Avant d'aller vers le déjeuner spirituel pour la prospérité financière, je vous parlerai de ce que nos Bokonos, les Bokonos de l'ONG Vive Mieux, ont prévu faire le samedi 28. Le samedi 28, au Temple des Grandes Victoires, de 7h à 17h, nous demandons à tous ceux qui n'ont pas encore donné la nouvelle IAM à leur FA, d'amener leur FA pour lui donner la nouvelle IAM. C'est très, très important. Je vous dis, c'est très important au cours d'une année de donner la nouvelle IAM à son FA. Ça permet au FA d'être renforcé pour vous protéger contre les attaques. Pour cette cérémonie qui consiste à donner la nouvelle IAM au FA, vous prévoyez 5000 francs. Vous venez avec votre FA, vous prévoyez 5000 francs et on va donner la nouvelle IAM à votre FA. De l'autre côté, depuis plus de 6 mois, depuis près de plus d'un an, vous n'avez pas purifié votre FA. Vous ne l'avez pas lavé. Je vous demande de venir faire le bain de purification à votre FA avec 10 000 francs. Donc vous disposez de 10 000 francs, vous venez, on pourra purifier votre FA pour vous et vous aurez également la bonne santé, le succès, l'abondance parce que quand votre FA est lavé, quand votre foi est purifiée, ça ne peut que vous apporter de très bonnes vibrations. Troisième cérémonie, le même jour. Quelqu'un qui n'a pas encore son foi, il a deux étapes pour l'homme. Il a le foi si saint, il a le foi titain. L'homme peut ne pas faire le foi si saint et aller directement à foi titain. Mais si je n'ai pas encore les moyens, or, partout je passe, on me dit, il faut prendre ton foi, il faut que tu aies ton foi, je peux d'abord aller à la première étape pour faire le fascicin. D'accord? Le fascicin, c'est souvent pour les enfants de 5 jusqu'à 18 ans, 20 ans, 21 ans ou plus. Mais à partir de 21 ans, c'est le fatitin qui est conseillé. Alors, chers amis, je vous demande, étant donné que vous n'avez pas encore les moyens, parce que pour faire le fatitin, c'est à partir de 200, 250 000, 300 000. Or, le fascicin, avec 70 000, 60 000, vous pouvez le faire. Mais le samedi 28, l'ONG Vive Mieux a subventionné cette cérémonie et vous prévoyez 20 000 francs. Avec 20 000 francs, quand vous venez au Temple des Grandes Victoires, vous allez faire cette cérémonie de fascicin. Ça, c'est pour les hommes. La femme vient également avec 20 000 francs. La femme n'a qu'une seule étape à faire, c'est le fascicin. Donc, si vous êtes une femme et vous n'avez pas encore votre FA, je vous demande de venir faire votre fascicin avec 10 000 francs au Temple des Grandes Victoires à Révier de 7h à 17h. Le lendemain, c'est le dimanche. Le dimanche 29, j'ai parlé tout à l'heure du déjeuner spirituel pour la prospérité financière. Le déjeuner spirituel pour la prospérité financière, c'est un déjeuner au cours duquel vous aurez à consommer la viande de pigeon. Chers frères, chers sœurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté, en voulant manger la viande de pigeon, vous avez souvent
l'arrivée d'un étranger. Vous avez souvent la visite d'un ami. Vous avez souvent la visite de quelqu'un. À moins que vous ne voulez pas partager avec ce dernier, mais c'est souvent ainsi. On ne mange pas seul la viande du pigeon. À moins qu'on décide de manger malgré la présence d'un étranger. Chers frères, chers sœurs, il y a un rituel qu'on fait avec le pigeon au complet, qui est un rituel de prospérité, qui est un rituel de facilité financière, qui est un rituel d'attraction de l'argent. J'ai prévu faire pour vous ce rituel. Et le dimanche 29, à partir de 13h13, au bar Maki, le paysage à Bazoupa, vous venez, chaque personne va prendre un pigeon complet. Un pigeon complet sera préparé avec les feuilles de chance, les feuilles de réussite, les feuilles de facilité financière, les feuilles qui ont des vertus de la chance. C'est avec ça que nous allons préparer ce pigeon. Après cela, on va le rôtir et vous allez vous asseoir pour manger ce pigeon au complet. Quand vous finissez de manger ce pigeon au complet, en voulant rentrer, on va vous donner une poudre. Arrivé à la maison, d'abord en voulant rentrer, vous partez à la maison avec la tête du pigeon que vous avez amené, que vous avez mangé. Vous partez avec les pieds du pigeon que vous avez mangé et vous partez avec les os du pigeon que vous avez mangé. Arrivé à la maison, vous mettez le tout dans un canari, vous y ajoutez une gousse de piment de Guinée, vous calcinez ces ingrédients. Une fois les ingrédients sont calcinés, vous allez écraser et vous récupérez la poudre fine. Vous transformez ça en poudre fine. Vous mélangez à la poudre que nous vous avons donnée lors du déjeuner spirituel. Et tous les matins, vous prenez une pincée de cette poudre, vous déposez sur la langue et vous prenez une boisson pour l'avaler. Vous prenez une boisson de votre choix, sucrée ou alcoolisée, pour l'avaler. Ça vous attire la chance. Ça vous donne la facilité financière. Vous devez savoir que ce rituel, pour s'inscrire, vous prévoyez 13 300 francs. Et les 13 300 francs sont à payer au plus tard le 25 septembre à la boutique Océan derrière le stade de l'Amitié. Au plus tard le 25 septembre, 13 300 par participant. Mais vous devez savoir, si vous ne voulez pas vous déplacer et vous voulez rester à la maison, pour vous inscrire, vous appelez le 96 44 90 89. 96 44 90 89. Quand vous appelez ce numéro, vous pourrez envoyer les 13 300 francs sur le numéro pour vous inscrire. Et au retour, on vous envoie maintenant le reçu. Sans que vous ne vous déplacez, on vous envoie le reçu de participation sur votre numéro de téléphone par WhatsApp. Et le jour de la cérémonie, le jour du déjeuner spirituel, vous venez sur place au bar Maki, le paysage à Bazoupa. Vous présentez cela sur votre portable et vous allez assister à cette magnifique cérémonie de prospérité financière. Ne ratez pas cette opportunité qui vous permettra de vivre mieux. Merci à vous. Pour écrire à Dame et au Kotchedi Rabital, écrivez-nous sur le 94 33 78 78. Je vous remercie et que la bénédiction soit. Je rends gloire pour ce que je suis. Je remercie l'univers pour les innombrables bénédictions, la santé, la vie, la respiration. Je lui suis reconnaissant parce qu'il est disposé à me lever.